Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler rapidement de comment mettre des couleurs sur ses clips pour gagner tout simplement en lisibilité sur son montage, surtout quand vous avez des montages qui sont assez conséquents. Donc vous allez devoir être super organisé et les couleurs, ça reste pour moi le plus simple en termes de mémorisation, d'éléments, etc. Donc moi je l'utilise tout le temps, ce système de couleurs, vous voyez, là je peux changer les couleurs automatiquement en un clic. Et comment on fait ça? Donc déjà, pour changer la couleur d'un clip, en général, on allait faire clic droit, libellé. Et là, vous allez pouvoir modifier comme ceci. Mais là, tu me diras, ouais, c'est sympa, mais si j'ai plus de 1000 clips sur ma séquence, ça va prendre énormément de temps de faire un clic droit, etc. Donc là, on va voir comment customiser ça pour être le plus efficace et rapide possible. Donc je vais vous inviter à aller dans édition, raccourci clavier, et là, vous voyez bien que sur déjà mes raccourcis clavier, j'ai directement sur mon pavé numérique tous ces raccourcis là qui correspondent justement aux couleurs. Là, je vais vous montrer comment on rajoute justement des couleurs. Donc vous allez dans Applications, on va descendre dans Édition et on va descendre dans Libellé. Voilà, et à partir de là, vous pouvez par exemple choisir de glisser une couleur sur n'importe quel bouton de votre clavier et il sera automatiquement, une fois que vous allez faire OK, automatiquement assigné. Voilà, je viens de juste assigner ici cette couleur là avec le bouton de mon pavé numérique point. Donc voilà, il s'est assigné et vous pouvez justement customiser de cette manière là pour avoir une organisation hyper efficace sur votre bande montage. Voilà, c'était un tuto très simple, efficace. J'espère que ça va vous servir pour monter plus rapidement et surtout gagner en lisibilité. Et croyez-moi que ce petit tuto vous servira énormément. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo surtout et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne Full Studio. A plus.